Made in Italy les voitures. Là me voilà à bord du vaisseau spatial. Hello everybody, this is Flipper. Hello everybody. On se retrouve à Miami aujourd'hui, c'est la première fois que je dis ça dans une de mes vidéos. C'est d'ailleurs la première fois de notre vie qu'on est à Miami tout court. Donc pourquoi on est à Miami aujourd'hui? Il y a un petit indice sur ma tête, ici même, gros indice même. On a la chance d'être au lancement de 3 hypercars aujourd'hui en live. Ça va être devant nous, de la marque Lafitte Automobili. Effectivement, peut-être que le nom Lafitte vous parle déjà. Vous connaissiez peut-être le pilote Jacques Lafitte en Formule 1, qui a eu un très beau palmarès. Vous connaissez peut-être aussi son neveu, Bruno Lafitte, qui est donc impliqué aujourd'hui dans ce projet d'hypercar avec son associé Pascal Cohen. Donc cette semaine, c'est le week-end du Grand Prix de Formule 1 de Miami et ils ont profité de cet événement pour lancer 3 hypercars, pour frapper un gros coup. C'est pas genre ils sortent une voiture, ils en sortent 3 d'un coup, une gamme complète d'hypercars. On va vous les détailler dans cette vidéo là, on va même les montrer dans cette vidéo là parce qu'elles sont là juste à l'intérieur de ce bâtiment là. Elles vont nous être présentées. Allez les amis, on vous emmène à la soirée d'inauguration de ces 3 magnifiques hypercars. On a hâte de voir à quoi elles ressemblent. En tout cas, de ce qu'on entend avec la musique, ça promet. Il y a de l'ambiance. Allez, c'est parti. Work hard for your dream, work for your blood and your soul, and you can move mountain and make the impossible possible. Lafitte LM1. Please welcome this beautiful hypercar. C'est des grosses nouveautés, ils ont su garder la surprise jusqu'à la dernière minute qu'elle soit présentée aujourd'hui ici à Miami. On est le 3 mai, que là lancer plusieurs hypercars d'un coup, c'est du jamais vu en fait. Et c'est ce qu'a voulu faire la marque Lafitte cette année, lancer une gamme complète d'hypercars directement dans le marché de l'automobile, tout en haut de la pyramide de l'automobile, parce qu'en fait l'automobile, il y a les voitures classiques, les citadines, les voitures de luxe, les supercars, les hypercars, et en fait les hypercars, elles sont tout en haut de la pyramide du marché de l'automobile. Et c'est tout en haut de la pyramide que Lafitte se positionne aujourd'hui directement. Et c'est ça qui est incroyable. Toutes ces voitures sont homologuées, regardez, ils ont mis là une fausse plaque d'immatriculation, mais c'est pour dire qu'elle peut vraiment être immatriculée bien entendu. Ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est ce modèle là qui peut être immatriculé et qui sera immatriculé pour les personnes qui achèteront cette voiture là. C'est une dinguerie. Waouh, elle est hyper impressionnante. Comme vous l'avez vu quand elle est arrivée, les deux passagers étaient séparés, chacun dans sa bulle en fait. Là, on a le joueur de foot Blaise Matuidi qui va monter
dans la voiture pour la regarder, parce que c'est l'un des ambassadeurs de la marque Lafitte Automobilique. Blaise Matuidi s'insère dans la voiture, c'est parti. Voilà, donc pendant que Blaise est à l'intérieur de la voiture, j'en profite pour vous préciser quelque chose. Vous voyez que lui, il n'a rien au-dessus de sa tête, et le passager, il a une capsule fermée vraiment au-dessus de sa tête. Ça, en fait, vous pouvez le mettre et l'enlever comme vous voulez. C'est comme une voiture, que vous rendez décapotable ou non. C'est dans le coffre, tout simplement. Bah, vous choisissez de mettre soit totalement décapoté, soit les deux couverts, s'il pleut d'ailleurs. Par contre, qui dit hypercar dit quand même exclusivité. Et donc, chaque voiture ne sera pas produite à plus de 40 exemplaires chacune. Qu'est-ce que vous pensez du design de ces voitures, les amis? Dites-nous en commentaire votre préféré de toutes les voitures présentées ce soir. D'ailleurs, en parlant de design, le designer, pour ceux qui connaissent, c'est la maison GFG Style. Elles sont made in Italy, les voitures. Giorgetto et Fabrizio Giugiaro, qui sont vraiment des pointures dans le milieu et qui ont accepté de rentrer dans ce projet fou. Ils ont vraiment réussi à trouver leur propre identité. Elle nous vient tout droit du futur. Et le futur, c'est maintenant chez Lafitte. Ça y est, ça a démarré, c'est lancé, c'est officiel. En fait, il y a trois voitures principales qui sont présentées ce soir. Celle-ci qui s'appelle LM1. C'est vraiment inspiré des voitures prototypes de course. La Lafitte Atrax, donc c'est la version 4x4. Celle-ci, elle est disponible en deux versions. Donc la une ici et l'autre qui est là-bas juste derrière. On va passer la voir après. Et enfin, la Barchetta. Celle-ci, elle fait plus coupé en fait. Et l'habitacle, il ne fait que un. Alors que là-bas, l'habitacle, il est séparé en deux parties. Ah, ils vont lui fermer la porte. Regardez, en live, là, ça va se fermer. Voilà, donc là, la porte, elle est en train d'abord de se fermer. Et ensuite, la capsule va se refermer au-dessus. Et voilà ce que ça donne. Regardez ça. Là, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. J'étais en train de choisir ma voiture préférée, mais c'est même impossible de choisir sa voiture préférée parmi celles-ci parce que les trois sont trop différentes. Chacune est dans son segment. C'est ça aussi l'intérêt de sortir trois voitures en même temps, c'est qu'il n'y a pas de doublon. Sinon, ça sert à rien de sortir des voitures en même temps. Chacune est dans son segment. Ouais, alors là, celle-ci, franchement, elle me met une claque monumentale. Elle est ultra impressionnante. On peut rentrer dans les voitures, hein, donc je vais peut-être rentrer dans les voitures aussi, moi, juste après. J'essaie de la faire rentrer dans le cadre, en fait, parce qu'elle est immense, cette voiture. Elle a un volant de Formule 1, vraiment, littéralement. Regardez le volant de la voiture. Et vous conduisez ça sur la route, bien évidemment. Je le répéterai jamais assez, parce qu'on pourrait ne pas y croire. Alcantara, bleu sur l'intérieur. La config est incroyable, d'ailleurs. Hein. Le gris pailleté sur l'extérieur. Le carbone imposant sur l'arrière, l'aileron immense. Et regardez vu d'ici, imaginez vous êtes dans les bouchons, vous roulez derrière ceci. Genre là voilà, vous êtes dans votre voiture derrière, vous avez ça devant vous, immatriculé, qui roule sur la route. Donc là me voilà à bord du vaisseau spatial les amis, il n'y a pas d'autre mot. Regardez là, voilà, ça donne ça à la première personne quand vous êtes au volant de la voiture. Le volant d'ailleurs, c'est vraiment inspiré de la Formule 1. Il y a tout qui est fonctionnel, regardez là, j'appuie sur le clignotant par exemple, voilà, il s'affiche ici. Je peux faire les appels de phare avec ça ici. Attendez, je vais essayer d'éclairer. Voilà, j'ai éclairé le monsieur là-bas. Voilà, je l'éteins. Il y a les caméras avant, arrière. Ici, il y a les contrôles au plafond pour les portes, pour les fermer électriquement. Il y a du carbone. Les sièges, il faut savoir qu'ils sont en décalé. Vous voyez, moi, je suis assis sur ce siège-là et lui, il est derrière. Mais en fait, c'est pas moi qui ai bougé le siège. Ils sont fixes. C'est juste pour qu'en fait, on soit pas trop embêté avec les coudes l'un à côté de l'autre dans la voiture. Parce que c'est un cockpit, hein. Vraiment, c'est une monocoque de carbone. Et ben voilà, on n'est pas vraiment à côté de la personne passager, on est un petit peu en décalé. Moi qui suis grand, j'ai pas eu de problème pour entrer dedans. Le pédalier il peut bouger, donc le siège est fixe mais le pédalier il bouge. Et voilà l'Alcantara à l'intérieur, donc voilà. Je vais laisser les autres gens en profiter un petit peu. Mais j'espère que vous aurez eu aussi votre petite idée de l'intérieur de la voiture parce que c'est un truc de fou et j'ai hâte de voir ça conduire sur la route les amis. Moi, je profite d'une petite accalmie sur la musique pour vous donner encore quelques infos importantes sur les voitures. Donc les livraisons commenceront par la Le Mans. Donc ce sera la première voiture qui sera livrée à des clients normalement fin 2024, début 2025. Donc ça va vraiment arriver très vite. Ensuite, trois mois plus tard, ils lanceront la Atrax, donc la version 4x4 rallye, une version vraiment voiture de Dakar pour la route. Et trois mois plus tard, ils lanceront la Barchetta. Voici ici la seconde version de la Atrax, donc la version 4x4. Celle-ci, franchement, mes amis, je ne m'en remets pas. Imaginez-la débarquer sur la route, en pleine ville, et aller par la route au circuit, avoir des performances de Formule 1 sur circuit, mais au retour, s'arrêter, acheter des œufs au supermarché. Voilà, sur la route de la maison. Ce qui est fou avec cette marque automobile, c'est qu'elle a une vraie identité. Elle a une vraie histoire derrière. Des vrais passionnés, des vraies personnes qui ont de l'expérience. On voit le carbone là sur les jantes, par contre, magnifique. D'ailleurs, on se rend compte que c'est écrit P0 sur la jante, car les pneus
pneus ont été faits par Pirelli en collaboration avec Lafitte tout simplement. Pirelli équipe toutes les voitures de la marque. Et toutes ces voitures-là ont une ADN de la Formule 1. Avec par exemple un volant détachable à l'intérieur de la voiture, le diffuseur qui s'ajuste pour l'efficacité de l'aéro. Les performances de toutes ces voitures sont vraiment délirantes. Par exemple la LM1, elle va à 350 km/h. C'est une voiture électrique, hein, je le rappelle. 350 km/h, le 0 à 100 en moins de 2 secondes. 1 seconde 98. 1151 chevaux, 1600 Nm de coupe pour 1650 kg. C'est en perdre les cervicales. On se rapproche tout simplement des performances d'une Formule 1. Wow. Celle-ci, la Atrax, elle a pas une grosse vitesse de pointe, c'est normal, c'est pas fait pour. Elle a juste 200, enfin juste entre guillemets, hein, 240 km/h de vitesse de pointe. Mais par contre, elle a un couple délirant, 2500 Nm de couple, c'est juste n'importe quoi. Plus de 1150 chevaux aussi. Ici, c'est vraiment un esprit rallye Dakar. Ce qui est incroyable, c'est les matériaux utilisés à l'intérieur de la voiture. Ici, on croirait du carbone, mais en fait, c'est du cuir. Et c'est un cuir avec un effet comme du tissage de carbone, mais c'est bien du cuir. Et l'avantage, c'est bon, déjà, c'est bien, c'est esthétique, c'est tout ce que vous voulez, mais il n'y a aucun reflet, ni dans le pare-brise, ni directement dans cette partie-là, dans le tableau de bord. Et on termine sur la Barchetta, 320 km/h, 3 secondes 5 pour le 0 à 100, presque 1000 Nm de coupe, 1700 kg. En plus d'avoir des statistiques incroyables, les batteries se rechargent de 10% à 80% en seulement 18 minutes. En moins de 20 minutes, vous avez de 10% à 80% de la batterie de la voiture rechargée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça les amis, je serai votre envoyé spécial avec cette marque. Un grand merci à toute l'équipe de Lafitte Automobili pour leur confiance. Merci de m'intégrer dans ces événements et surtout de me donner la possibilité de partager ça avec vous tous parce qu'il y aura encore beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres occasions de vous parler de cette marque ou de vous filmer ces voitures. Petit indice, ça se passera peut-être même à Monaco plus vite que vous le pensez. Donc n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt les amis. Ciao. We'll be right back.